Bonjour tout le monde, c'est Natim et Gémeaux. Joyeuse Pâques à vous. Regardez le petit lapinou. Oh là là, ça va où? Normalement, il revient toujours vers son copain le poussin. Presque, tu étais presque. Allez, vas-y. Je l'aide. Voilà, il est fatigué. Ouais, c'est pas évident la course. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est du 1er au 7 avril. Prenez que ce qui vous parle, c'est une générale. C'est pas du tout comme quand vous êtes en consultation avec moi et qu'il n'y a que vos énergies et votre vie. Donc, il faut faire la différence. Il faut vraiment que ça vibre, ça vous parle. Sinon, je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos abonnements, d'être là, d'exister et de faire grandir ma chaîne et de me donner de la motivation. Voilà, c'est sympa. Alors, mes Gémeaux, on va commencer. Donc, merci pour... certains, vous me mettez des petits cœurs, des petites fleurs. Eh bien, ça compte, hein. Ça compte comme un commentaire, effectivement. Merci pour vos pouces en l'air. Vraiment, c'est motivant. C'est comme ça que j'ai envie aussi de continuer à vous poster des vidéos, parce que des fois, bah voilà, on donne beaucoup d'énergie, hein, vous n'imaginez pas. C'est pas que je me plains, mais c'est la réalité des choses. Et des fois, bah, c'est vrai que je me demande s'il y a certains signes, je devrais pas les faire sauter et garder que les signes, bah, qui sont reconnaissants finalement et qui sont là, quoi, qui sont présents et qui me motivent, qui me soutiennent au niveau de ma communauté. Voilà, donc faut que je regarde un peu le tableau des statistiques, où ça en est, voilà, sur YouTube, parce qu'on a quand on est à notre compte, on a tout ça, voir un peu. Voilà, bah sinon, je vais démarrer. Allez. Je les avais déjà mélangés, mais j'aime pas quand vous les voyez. C'est pour ça. Le temps. Alors, le temps. Alors, ici, il est possible que vous manquiez d'informations, d'accord ? Une récolte. Vous voulez un bon résultat, d'accord? Ça risque de... Pardon, excusez-moi, c'est vos énergies à tous. On est réceptifs. Alors, vous risquez... Enfin, ça risque de mettre du temps, vous voyez? Donc, en fait, si vous voulez... Mais j'ai quelqu'un, c'est comme si vous avez peur de prendre ce risque-là. Voilà. Mais c'est parce que aussi, vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas l'avenir, c'est normal, on n'est pas... même nous, on ne voit pas tout, on voit certaines choses, hein, c'est normal, on n'est pas Dieu, on n'est pas l'univers. Mais, en fait, peut-être qu'il manque d'informations, d'accord? Ou alors, il y a quelqu'un qui va vous demander certaines informations, certaines pièces, certaines choses qui manquent. En tout cas, il manque des choses. Là, ici, il faut aller aux informations ou en face de vous, on va vous demander... plus d'informations, c'est possible, hein, d'accord? Donc, le 2 de bâton, c'est, comment vous dire, le 2 de bâton, en fait, il va évaluer est-ce que ça vaut le coup ou non. C'est un petit peu ça. Et puis, il va être dans la stratégie, il va être dans la bataille, il va être... voilà, c'est ça. Pour cette récompense-là, ça vaut la peine ou pas? On en est à ça. Après, ma foi, ça peut être par rapport à la justice puisqu'elle est tombée, mais ça peut être au niveau de plein de choses, au niveau d'un emploi, d'un investissement, d'une maison, beaucoup de choses. Mais il faut peut-être plus d'informations et préparer votre stratégie, vos plans et tout ça, hein, d'accord? Bon, là, on a quand même un 10 de pentacle. Il est possible de partir de quelque part, mais partir bien. Donc peut-être pas quitter un emploi en les mettant
Alors, en vous mettant en arrêt de maladie, peut-être, hein, un truc comme ça, hein, je dis. Ou alors, ouais, c'est ça, on porte plainte contre eux pour des choses, différentes choses. Et c'est l'argent. Après, ça pourrait être toutes les actions en justice, hein, puisqu'on a la justice. Et on peut partir, on peut gagner, hein, d'accord? On peut gagner. Ben, n'hésitez pas à m'appeler si vous ne voyez pas clair. Donc, n'hésitez pas. Donc, ici, pour certains de vous, puis ça vous est caché, alors vous ne connaissez pas l'avenir, comme je vous disais, peut-être ça vous énerve, vous voyez. Et puis, vous avez peur aussi, vous vous demandez, mais comment ça va se passer, quoi? C'est ça aussi. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Alors, on vous dit aussi, c'est vrai. Faut préparer votre bataille si vous avez des actions en justice, parce que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui se prépare, ça c'est sûr, hein, d'accord? Et qui a du savoir, de la connaissance, ou qui a une personne à côté d'elle ou à côté de lui qui a du savoir, de la connaissance, hein, d'accord? On vous parle aussi pour certains, peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour vous payer une formation, ou alors elle va être prise en charge, cette formation. On vous parle pour d'autres qu'au niveau de la spiritualité, vous avez l'abondance, vous avez fait appel à la loi d'attraction, il y a l'abondance. Pour d'autres, au niveau de l'amour, vous commencez à ouvrir les yeux et vous vous demandez, est-ce que je m'arrête pas là avec cette personne et peut-être je vais voir ailleurs quand je serai prêt ou prête, hein, d'accord? Pour certains de vous, bah, en fait, vous avez une situation, vous avez peur de la ruine. Peut-être c'est ça aussi, hein. Alors vous vous dites, si j'attaque cette personne ou mon entreprise où j'ai travaillé, est-ce que vraiment je vais avoir la récolte comme on a la visible ici cachée, et ou alors je vais me retrouver avec un sac de patates, quoi. Vous voyez, il y a un risque quand même. Donc c'est pour ça que vous êtes dans cet état. Vous êtes dans, ben, on ne sait pas. Du coup, il vous manque des informations ici, hein. Donc, on peut être comme gagnant, comme perdant ici. Hein. Pour d'autres, vous me quittez une situation de pauvreté ici. Hein. Une situation de manque. Et vous allez obtenir et réaliser quelque chose. Hein. Quelque chose qui se réalise, on obtient quelque chose, c'est bien. On retrouve l'équilibre. Allez, mes célibataires, on retrouve l'équilibre. Ici, on va voir la suite. Bah écoutez, l'engagement, bien sûr, vous n'allez pas vous marier, mais en tout cas, il y a une concrétisation avec une nouvelle personne. Vous allez en fait démarrer une nouvelle relation, hein, c'est ça. Une nouvelle relation. Prudence, parce que cette personne ou vous, hein, vous adaptez, elle peut être jalouse. Après, ça peut être un ex ou une ex qui soit jaloux parce qu'il ou elle l'apprend, vous voyez. Donc, le contact passe, la communication passe. Ouais, bah, c'est possible que... trahison. Ok. Vous, pareil, les énergies sont interchangeables. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, un ex ou une ex qui trompe. Après, vous pouvez très bien tomber. Que vous soyez guéri, que vous avez envie, vous avez repris de l'équilibre, du poil de la bête, vous allez mieux, et que vous avez envie justement... de démarrer une relation avec quelqu'un avec qui vous discutez, quelqu'un, c'est possible, quelqu'un qui vous influence et que vous avez envie de voir cette personne. On vous dit prudence, cette personne, elle est malhonnête. Donnez pas votre cœur comme ça, comme si votre cœur valait rien du tout. Et il y aura la trahison. Donc faites attention, hein. La personne, elle est là que pour la sexualité et par intérêt et c'est tout. Par intérêt, c'est vaste, hein. Et c'est tout. Donc faites bien attention, hein. Par contre, ici, il y a une belle rencontre ici, hein. C'est bien. Pour d'autres, faites attention avec qui vous communiquez, hein.
en couple ou en relation. On vous dit, vous êtes dans la passion, vous donnez trop d'énergie. Aimez-vous d'abord, vous aimez trop l'autre. Aimez-vous d'abord, il y a des problèmes avec cette personne. Cette personne, elle veut, peut-être elle veut s'engager avec vous, mais il y a des problèmes. Cette personne, elle a des efforts à faire. Hein. Elle veut s'engager avec vous, elle veut aller plus loin. On vous dit, faites attention, aimez-vous d'abord. Et cette personne, elle vous parle d'engagement en tout cas. D'engagement. Elle n'est pas assez mature, cette personne, mais elle crée des problèmes ou elle se crée des problèmes aux facteurs religieux. Voilà. Ça peut être ça aussi, qu'elle est trop dans le facteur religieux et qu'elle vous dise... Qu'elle vous dise, on est ensemble, donc il faut se marier. Par rapport à la religion, par rapport aux parents, peut-être, j'en sais rien. Il faut se marier, il faut s'engager, enfin j'ai ça. Hein. Mais on vous dit, aimez-vous d'abord, discutez avec cette personne, il y a des problèmes, oui c'est passionnel, ok, c'est drôle des fois, ok, mais cette personne elle manque de maturité, et vous il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, hein. Donc avant de dire oui, parce qu'on dirait qu'elle est pressée cette personne, hein. Faites attention, hein, cette personne elle vous manipule avec la religion, elle veut vous isoler. Cette personne, faites bien attention, hein. Pour d'autres, j'ai un autre cas de figure. J'ai le cas de figure, aimez-vous d'abord parce que j'ai quelqu'un qui s'est engagé religieusement ou qui va s'engager religieusement ou en tout cas qui va voir ailleurs, hein, d'accord ? J'ai quelqu'un qui va voir ailleurs. Amour non réciproque. Ouh, faites attention. Hein. Faites attention. Je comprends pourquoi ça a commencé avec aimez-vous d'abord. Choisissez-vous d'abord. Faites bien attention. Parce que là, il pourrait y avoir une histoire d'une triangulaire. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tout sur mon site, en dessous de la vidéo, il y a marqué afficher plus, vous cliquez dessus, ça se déroule, et vous avez mon site datinatura.com. Je vous embrasse, et à bientôt, bisous!